Vous devez absolument connaître deux techniques secrètes avec le coup de poing de Deku. Donc comme vous le savez, quand vous utilisez le coup de poing de Deku, vous êtes vulnérable au tir de l'adversaire. Donc là, j'ai une technique pour vous. Si vous utilisez le bouclier du gardien, regardez, je vais l'utiliser, je vais le lancer comme ceci. Hop. Ensuite, je prends le coup de poing de Deku et là, je l'utilise pour attaquer l'adversaire. Et là, regardez, bam! Je touche l'adversaire à travers mon bouclier. Donc, c'est la seule arme qui peut tirer à travers le bouclier. Donc, ça, c'est déjà super cheaté. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique. Alors, la deuxième astuce, c'est avec le renfort chance 0. Donc, quand vous allez briser le bouclier d'un adversaire, vous aurez la possibilité d'avoir l'effet du point 0. Donc, regardez. Je brise le bouclier de l'adversaire. Hop, ensuite, j'utilise mon point des coups. Et regardez, je peux me téléporter en utilisant le point des coups. Donc au final, c'est super cheaté parce que le mec ne peut pas vous toucher parce que vous vous téléportez tout simplement avec le coup de poing de Deku. Code créateur SCM.